Salut à tous et bienvenue pour le deuxième numéro de Noob Pas Ultra en compagnie de deux noobs, de moi déjà, un gros noob, et de Kira63. Bonsoir Kira. Bonsoir, bonsoir. Et donc, si vous ne le savez pas, si vous prenez l'émission en cours de route, elle a pour but tout simplement de vous montrer notre progression à travers une émission que l'on veut un minimum structurée. Et que l'on veut aussi dans notre progression sérieuse entre les émissions où on va effectuer diverses tâches et ensuite essayer d'appliquer tout ce, comment dire, tout ce qu'on a appris durant un match en BO5 entre nous deux où nous l'espérons, nous vous montrerons au fur et à mesure des émissions des matchs qui sont de plus en plus grande qualité. Bon, quand je dis de plus en plus grande qualité, ça veut pas dire que ça va passer de nul à bien et de bien à très bien d'un seul coup, hein. Ça veut dire que ça va passer de très très nul à très nul, de très nul à nul nul, et puis après peut-être nul moyen. Mais bon, il y aura quand même une amélioration, une progression. Faut savoir qu'on n'est pas non plus très expérimenté dans le versus fighting, donc on fait nos armes sur ce jeu et on compte bien s'améliorer. Et puis si cette émission peut nous motiver, eh bien tant mieux. On commence tout de suite cette émission par les tâches que l'on a effectuées justement durant ces 2 semaines. Alors j'ai noté quelques trucs, Kira, après tu complèteras parce que j'ai sûrement oublié des trucs. Alors Kira, qu'as-tu fait? Ah oui. Déjà tous les deux on a lu des articles sur Hit Combo, enfin j'en ai lu un, toi t'en as lu deux il me semble. Ouais, bon, à peu près comme ça, ouais. J'ai Moi surtout lu le lexique plus un autre tuto après. d'accord. Ah moi j'ai pas lu le lexique mais j'ai lu le premier guide là, comment bien démarrer sur Street Fighter. Tu l'as peut-être lu d'ailleurs, c'est peut-être Ouais, celui-là. j'ai lu, ouais, je l'ai lu, ouais. Ouais, ben c'est celui-là. Et ensuite. On a aussi regardé des replays de nos persos, ouais. On a regardé des replays, notamment sur la chaîne de Yoga Flame 24, sur aussi la chaîne jeuxvideo.com de Ken Bogart, évidemment. Et on a aussi regardé les tutos justement de Ken Bogart qui sont liés à nos persos, donc Ryu et Abel. D'ailleurs, j'ai oublié lors de la première émission dans la description de la vidéo de mettre les liens des tutos de Ken Bogart. Donc, c'est corrigé dans cette émission en description de la vidéo si j'ai bien fait les choses en préparant la vidéo. Sinon, je me tape dans le futur, tu vois. Là, je te fous une gifle, Néoboss. Là, c'est pas bien. Tu l'aurais mérité. Ouais, voilà. Merci. Tu vas voir toi les gifles, tu vas te prendre des bas gros points, tu vois. Sera tout Bref. mérité. Bref, tout ça est dans la description de la vidéo. Ensuite, de ton côté, Kira, si je ne me trompe pas, tu t'es renseigné sur les combos d'Abel à connaître en priorité, notamment à travers les forums des 20 hubs. Exactement. Voilà, et aussi à travers qu'on aura pu discuter entre nous pour ne pas se mélanger les pinceaux, parce qu'on a vu également dans le justement pour faire le lien avec le guide sur Hit Combo qu'il ne fallait pas non plus essayer de se mettre 10 000 combos dans les doigts, ça ne sert à rien. Il faut privilégier plutôt la garde, l'intelligence de jeu, etc., le positionnement, la connaissance de ses coups. Et les combos sont aussi importants évidemment, sinon on fait pas de dégâts, mais il faut se concentrer sur 2-3 combos au début. Donc c'est pour ça qu'il y a 2-3 combos avec Abel, d'ailleurs qu'on a travaillé tous les deux. Je t'ai aidé à travailler en training online sur certains trucs, notamment le combo punition qui est. Enfin les combos punition du coup. Pas gros point will kick et pas gros point ultra. Et oui, et ça fait mal. Ça fait très mal quand même. Donc voilà, on s'est concentré sur ça et puis tu t'es aussi concentré de ton côté sur quelques combos, il me semble. Tu peux nous en dire plus? Ouais, un combo qui est plus ou moins entraîné, mais je manque de timing pour qu'il soit safe. C'est le saut avant medium kick, bah, gros point premier hit et change de direction. Qui peut faire cross-up s'il est bien placé. Sauf que, bon, bien sûr, Saut medium kick, tu voulais dire, pas saut avant medium kick. Oui, saut medium kick, Saut oui. medium kick, ouais. Ouais, ça fait Enfin, mal ça. comme il faut un timing, disons, pour qu'il soit safe jump, c'est assez compliqué. Sinon, t'as le bas medium punch, change de direction, classique, quoi. Ouais. Ok, bah c'est déjà pas mal. Parce que de toute façon, même si tu loupes le combo après le saut medium kick, t'as quand même un gros point qui sort en général, donc Oh, mais ça le problème, c'est fait que c'est une pas base se de faire gagner. anticiper dans le. De pas se faire attraper quand on saute. Mais Ah sinon, ouais, et ça ce qui m'arrive souvent. c'est dur contre les persos qui ont des entières.
Enfin, surtout contre ceux qui ont des chariots. Ouais, c'est vrai. Ben pour ça, il faut trouver un timing ou bien utiliser un autre coup qui est plus safe jump. Je sais que le saut gros point apparemment de d'Abel a plus de chances de faire safe jump car il touche plus longtemps. Enfin, il est en Mais j'ai pas activité. vraiment de combo derrière. Ouais, c'est ça le problème. Le saut medium kick, ouais, faut Mais l'utiliser vraiment. l'avantage c'est qu'il il fait cross-up, mais enfin, il Ouais. peut faire cross-up assez facilement. Seul truc c'est que j'ai pas encore le timing. Ça viendra, Ouais. Moi, peut-être. je te conseille au début, en tout cas, c'est de l'utiliser pour l'instant tant que t'as pas le timing sur les persos, que sur les persos, comment dire, qui ont pas de dragon, qui ont des dragons très lents, genre quel perso a un dragon hyper lent? Comment il s'appelle? DJ, je crois qu'il a un dragon hyper lent, ou Dan, ils ont des dragons hyper lents, bref. Contre ces persos-là ou contre d'autres qui n'ont pas de dragon, même tu peux faire ça hein, à la relevée, mais il faut quand même timer un minimum et que ça touche le mec. Après ça se travaille en training. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sinon? Ah bah justement, oui, j'avais dit le training online. Ou aussi, oui, durant le training online qu'on avait fait, j'avais pris certains persos qui t'embêtaient sur le moment pour tester des trucs, des punitions. Donc c'était Hugo notamment, où on a vu qu'il y avait pas mal de trucs punissables, et que notamment, tu as appris à ne pas rester dans sa zone de dégâts, on va dire, dans sa zone de écrabouillement de facial. Ça reste que de la théorie encore. Ouais, ça reste que de la Pas de théorie pratique. Il n'y a ouais, pas à trop de appliquer. pratique dessus. Ouais, ça viendra avec le online. Malheureusement, on a eu des petits soucis de connexion. Et puis le online en ranked n'est pas encore OP, donc on attend que ça change. Ensuite, de mon côté, parce que je n'ai pas dit ce que j'ai fait, j'ai commencé un fichier sur OpenOffice que j'ai nommé clé de match-up. En fait, à chaque fois que je remarque quelque chose dans un match-up, enfin que je remarque quelque chose, que ça me pète aux yeux généralement. Je le note dans ce fichier et après je peux le sortir avant un combat pour me dire ah tiens s'il a tel ultra il faut pas que je fasse de ado ou ce genre de truc. Sinon je suis allé voir sur les forums de shoryuken.com pour les BNB de Ryu. Voilà. Ça a pas donné grand chose. Honnêtement, j'ai trouvé quelques trucs, mais les combos de Ryu sont pas si faciles que ça à placer, ceux qui sont. Notamment ceux qui font très mal. Pas si facile à placer pour moi pour l'instant, donc à voir. Et sinon, j'ai trouvé une nouvelle position de main sur le stick. Ah oui, je voulais vous en parler parce que c'est important d'être à l'aise sur son stick. Et lorsque je regardais le tuto de Ken Bogard sur Ryu et qu'en même temps j'étais en train de jouer à Ultra, en train de train, j'ai testé ses combos et à un moment je me suis dit je vais changer de position pour voir si ça va mieux parce que j'arrivais pas à faire bas moyen, bas MK super. Et j'ai changé de position de main, et depuis ça va beaucoup mieux. En fait, je mets mes trois premiers doigts que sur la boule. Je la prends moins la boule, je mets vraiment les trois premiers doigts sans entourer complètement la boule. Voilà. Le pouce au milieu devant et en face derrière les deux autres doigts. Voilà. Et là, depuis le bas moyen super, il sort même beaucoup. Beaucoup plus qu'avant. Donc c'est un signe et depuis c'est vrai que ça va un petit peu mieux mais j'ai toujours des problèmes d'exé mais ça c'est dû à mon niveau de sac. Voilà, sinon à part ça, à part ce que j'ai noté, il me semble Kira que ce n'est pas tout parce que tu as fait d'autres trucs aussi que je n'ai pas noté, il me semble. Comme quoi, par exemple? Ben des sessions en combat infini. Bon, c'était un peu Non, j'ai. avec les mêmes personnes, mais. Ouais, on a un peu voir sur différents match-ups, mais c'est. Ça reste que sur notre communauté de 3-4 personnes, donc c'est pas non plus. Ouais, voilà. Quatre potes. Sinon, de ton côté, voilà, il y a du training, sinon t'as fait quand même pas mal de training pour t'entraîner à Bon, des après, combos, c'est il faut. uniquement pour faire de l'exé sur certains coups, donc. Ouais, mais Pour c'est. arriver à ma. De quoi? Le timing de Bagro point. Ah, je t'entends très mal. Début. Je t'entends très mal. Allô, allô, c'est bon. Un peu d'entraînement pour avoir tes combos là en main. Ok, donc le entraînement pour avoir bas gros point ultra et d'autres combos. Ouais, à peu près, on va dire ça comme ça. Ok. Parce qu'on a eu une coupure, une petite coupure, on t'entendait pas très bien. Sinon, de mon côté, je me suis aussi entraîné. J'ai fait, par contre, j'ai fait du online. Vous allez voir que mes points ont augmenté.
J'ai fait du online, j'ai monté à 1000 BP, 800 PP je crois, un truc comme ça. Bon, ça veut un peu rien dire parce que bon, j'ai pu rencontrer des autres persos, donc c'est toujours bien de pouvoir jouer régulièrement contre d'autres persos, contre d'autres personnes. Et sinon, j'ai fait du combat infini, j'ai rajouté justement des mecs sur Steam justement qui étaient cool et avec qui on a fait des bonnes sessions, qui étaient plus forts que moi, je vais le dire, hein, j'ose le dire, qui m'ont mis des beat by 10 hein, parfois. Dont un Ryu, hein, je le salue, Berserk des Foules, qui me suit depuis très longtemps, depuis l'époque live, donc franchement salut à toi et merci hein, d'avoir fait ces sessions et de faire les prochaines également. Notamment j'ai pu apprendre grâce à lui un certain saut light kick qui aide bien à faire les safe jump et qui amène en counter hit sur des combos en plus. Bon, quand ça fait pas counter hit, c'est un peu plus compliqué ensuite, mais au moins c'est safe jump et ça peut permettre de maintenir la pression sur l'adversaire, donc c'est pas mal. Voilà, je crois qu'on a tout dit, non, Kira? Ouais, à peu près. Enfin, j'ai fait un peu de live, j'ai fait deux victoires de suite après plus Ah, bon, de ça arrive. Mais bon, au début, live. c'est normal qu'on s'en sorte pas. L'important, c'est d'apprendre de nos, comment dire, de nos erreurs et de ce qu'on connaît pas, et ensuite de s'améliorer, de corriger le tir, et petit à petit améliorer notre exé en parallèle. Voilà, on fait le BO5, c'est bon, c'est parti. Si on n'a pas de problème de lag, ok. Ouais, si on n'a pas de problème de lag. Et c'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné parce que cet après-midi c'était vraiment l'enfer, que ce soit pour n'importe qui là. On était 3 et les 3 lagaient, donc bon. Dans le doute, on fait training stage Ouais. pour la première. Après, si ça se passe bien, on vous montrera quand même d'autres stages parce que c'est pas le plus divertissant à regarder, on en convient bien. Mais Kira a des costumes, donc ça c'est divertissant à regarder. Allez, GL à chef, comme on dit. Il y a un peu de lag. C'est léger quand même. Vas-y, pars pour toi. Ouf. Ah putain. J'ai tellement un bas gros point dans tout ça. Ah putain. Ah ouais, là je l'ai ressenti. Et je dis pas ça parce que je viens de me faire niquer. Bon, c'est risqué ce que je fais. Parce que si tu piffes une ultra, je pense que je suis dedans. Comme un certain Silver cet après-midi. Zéro. T'as ressenti du lag là dans les deux derniers rounds? Non, ça va. Ça Pas allait. trop. Tu veux que je change de terrain ou le training stage toujours? On ira le training sinon là. Le On va faire training? chier ici. Ouais, le training. Ok. Alors, on est désolé hein, mais il faut qu'on puisse jouer aussi de manière correcte pour que ça veuille dire quelque chose et qu'après on puisse faire un débriefing. Bon. Déjà, ça veut pas dire grand-chose. Oui, voilà, donc. Ah putain, c'est garde haute la deuxième qui dit à chaque fois. Pas passé loin ça.
Ah putain. Oh non, j'ai oublié. Ouf. J'étais trop loin. Ouah, c'est quoi ce délire? Ça touche pas d'aussi loin? Apparemment non. C'est n'importe quoi. D'accord. J'étais un peu à le bout de l'écran mais bon. Ouah, ça touche pas d'aussi loin. Ah, je suis choqué là. Ouah, ça lag là. C'est bon. L'avenir. Moi j'ai senti un peu de lag sur... Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, petit pas peu, trop. Mais ça changeait pas de façon. Ouais. À mon manque de finition. 2-0. C'est dommage, n'empêche, t'avais eu le réflexe au premier round. Mais c'est pas passé. Je pensais pas qu'il y avait une distance comme ça. Ouais, je sais pas. Ouais, faut pas que ce soit au fond de l'écran quoi. Mais GG pour le réflexe, hein. Hésite pas quand. Je sais pas combien on a qui peuvent réagir au start-up du wheel kick. C'est des malades. Déjà pour le garder, c'est chiant. Waouh, bien joué. Mais non. Bien sûr, le Sky qui traverse, il est sorti, je voulais pas qu'il sorte. Tu voulais mettre quoi à la fin? Rien. Je voulais pas qu'il sorte quoi. Sans même un code, ça aurait pas changé grand chose. T'étais trop loin ouais pour le code. Bon. Non mais le code, moi il m'aurait peut-être. Enfin... Ah non, mais le code, ah oui d'accord. Il serait parti en garde au moins. Pas cette connerie quoi. C'est quart de cercle le code? Ouais, mais ça paraît. Ah bizarre. Ouais, il faut. Et souvent ça peut s'interférer le quart de cercle et la manip du dragon, c'est-à-dire la manip de ta chope aérienne là de Skyfall. Voilà, bon, 3-0. Je te laisse commencer Kira, qu'est-ce qu'il a pu te manquer dans
Dans ce défi, selon toi, qu'est-ce qui t'a fait chier? Est-ce qu'il y a eu des différences par rapport à la dernière fois sur que ce soit ton jeu, le mien? Vas-y, dis-nous tout. Ce qui manque, c'est que j'arrive pas à finir les matchs. Quand je peux les finir. Ouais, c'est vrai, Après, c'est il y a vrai. l'exé qui est pourri, il y a... Il y a des choses que je sais que quasiment sûr quand elles, enfin, je suis quasiment sûr quand elles vont arriver, mais je les garde, je les chope pas. En fait, je sais que tu vas venir, et soit tu as le choix de me chope ou pas chope. Ouais, mais déjà que tu vois qu'il y a le choix, c'est déjà bien parce qu'avant, du coup, enfin, t'étais plus dans l'incompréhension de ce qui se passait, alors que là, t'arrives à voir qu'il peut y avoir les deux ou quoi, c'est bien. C'est déjà une progression. Après, c'est chaud, hein, déchoper, faut prendre l'habitude, après, ça viendra avec le temps. C'est tout? Ouais, on va dire ça comme ça. Ok. Bon ben, de mon côté, quoi dire? Je trouve que dans le premier round, non, je sais plus quel round c'était. C'est dans le premier match. Il y avait des wheel kicks que t'avais bien maîtrisés. Et pas de souci. Par contre, la garde, la garde, il faudra vraiment que tu continues à travailler ça parce que. Disons que quand dans un match tu te places un enchaînement, le truc c'est que tu l'encaissais, après ça allait mieux, mais il fallait que tu l'encaisses une fois pour te faire avoir. Et sinon tu t'es pris tous les cross-up je crois. Il y a que sur certains cross-up où je crois que t'as dû faire backdash à chaque fois, parce que j'arrivais qu'à te faire un hit. Ouais, ça doit être ça, bon. Donc c'est bien, t'as fait backdash, mais après il faut que tu gardes parce qu'après j'arrive à te toucher à chaque fois, donc ça changeait pas grand-chose, parce que je t'aurais fait la même chose je crois dans le délire. Mais bon, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Sinon, de mon côté, ben, il y a du mieux sur l'exé, mais des fois, il y a eu un dragon qui est sorti au lieu d'un Hadouken encore. Ça a dû m'arriver une ou deux fois. Et justement, là, il manquait les bas gros points, Kira. Ouais, mais bon, le problème c'est qu'il faut les avoir mis en garde, tes chariots, et il faut que je pense à balancer la suite, ce qui est pas souvent le cas. Ouais, mais déjà pense au bas gros point, après la Vu suite ça viendra. que ce qui est chiant, c'est qu'à la suite du bas gros point, t'as le choix. Soit tu balances un ultra ou un timing particulier. Alors que le wheel kick, il faut le faire directement le kick derrière. Et à chaque fois, faut faire l'un ou l'autre, et du coup, Ah ouais, ah des ça fois, c'est. c'est soit l'un, soit l'autre. Eh oui, Au ça niveau du c'est. choix, faire avant. C'est le truc dans Ultra justement, ah oui, ça explique mieux aussi pourquoi. Il y a des fois t'étais sans défense, c'est qu'il faut faire un choix. Mais tu te trompes, c'est pas grave, mais t'en fais un quoi. Parce que finalement là, t'as pas, enfin, quel que soit le choix que tu vas faire entre les deux sur la punition, t'as raison. Il faut que tu te dises que là, je peux rien faire quand je suis en dragon et que là, je retombe du ciel comme telle une feuille morte, tu vois. Et là, t'as le choix, mais qu'il faut le faire parce que de toute façon, quel que soit le choix, ça sera bon. Après, en défense, c'est différent, certes, mais. Juste pour rigoler, mais quand on jouait en full lag comme on a joué cet après-midi, tu pouvais faire un chariot où je le gardais, j'avais même pas le temps de passer un bloc au point, et tu m'avais déjà refoutu un autre chariot. Du coup, je me prenais le chariot dans les dents. Ouais, mais ça ouais, c'était cet après-midi avec le lag. Là, je te parle de ce soir parce que ça compte pas les matchs avec le lag. Pff, ça veut rien dire. Y a rien à en tirer. Y a pas de truc à faire. Surtout que je trollais en plus, du coup, ça me saoulait le lag. Je faisais que des chariots. Voilà, je n'ai pas de race. Tu veux qu'on passe en entraînement là? Ouais. Ça c'est je sais pas quoi d'ailleurs, mais on verra. On verra, ouais. J'ai déjà des petites idées de ce qu'on peut bosser, mais. Je vais créer le salon. Au pire, on peut déjà montrer les combos que j'arrive à balancer. Pour commencer. Ouais, tiens, pour montrer que vraiment, oui, J'ai pas tu. pu du tout en utiliser, quasi pas pu en utiliser un T'as seul. pas pu le montrer alors que je confirme, hein, si vous ne le croyez pas, moi je confirme qu'il les a fait puisque je les ai vus. Après en match, c'est vrai que t'as encore du mal à les placer. Souvent, c'est.
T'es pas loin de t'y placer, mais tu places, je crois, le stand. Le stand. Pas medium kick, le stand. Hard kick, non? À la place de placer le wheel kick. Ou stand medium, c'est quoi? Au niveau du babou-point? Ouais. Donc peu importe si tu fais un medium ou hard wheel kick, c'est pareil. Enfin, t'as eu ces dégâts qui sont différents, mais c'est. Non, non, mais je te parle pas du medium wheel kick ou du hard wheel kick. Je dis que des fois, quand tu trompes dans l'exé et que tu places un. Et que tu places pas le wheel kick, des fois tu places un stand Non, kick. non. Ouais, voilà, ça va être ça. Ou Mais c'est sinon, c'est que je le lequel? place pas du tout. C'est le medium ou le hard que tu C'est passes? le. Pump, peu Enfin, peu importe. importe. Enfin, bref. Allez. Ça viendra. Juste pour le show. Sinon, ben, pour finir le débriefing sur de mon côté, ben, je manque de variété dans le jeu, je fais toujours la même chose. Et défensivement, c'est ça. C'est. Ah, le costume Jojo Bizarre Aventure. Jotaro. Et allez, y allez, Dazé. Ah, il faut que je configure les machins. Ça serait mieux. Jauge super, on va mettre recharge. Et jauge vengeance infinie. Affichage commande comme ça. L'affichage commande, si jamais vous voyez des trucs dans mon exé qui vous interpellent, n'hésitez pas à me le dire. Hein, j'essaierai de corriger. Alors, est-ce qu'il y a des. Ah oui, tu voulais montrer les. Je te laisse montrer les quelques combos. Ça peut paraître basique, mais il faut trouver le timing, il faut le faire. Ouais, il faut le trouver. Il y a un petit timing qui est quand même assez délicat. Sinon, il y a ça qui sert à rien. Oh, ça sert bien. Je me surprends des résidus du premier coup en fait. Ah ouais. Ça fait 506 de dégâts, ça. Putain, mid bar sur Ryu qui a 1000 de vie. Alors, sinon, il y a. Enfin, là, t'as l'ultra chargé au max aussi. Sinon, ça fait un peu moins en combat, quoi. Mais bon, ça fait 400 et quelques, quoi, quand même. Ah, yes. Celui-là. Yes. Ça, c'est le combo qui fait cross-up. Ah, j'ai mis l'étourdissement. Jamais. En fait, le saut médium, il peut faire cross-up, mais. Vas-y, essaye en cross-up là, justement. T'as juste à faire bas gros point ensuite et. Le bas gros point, c'est dans le même sens, donc. C'est. Vas-y, il y a eu Après, oui, en parlant des sauts, Kevin. Je trouve que pendant notre match, t'as beaucoup trop sauté. Ouais, je sais. T'essayes beaucoup trop de faire ça, et sur un Ryu, ça passe pas, quoi. C'est pas que j'essaye trop de le faire, c'est juste que. Non, non, t'essayes. Je te dis, t'essayes trop, hein. Sur un Ryu, tu fais pas ça. C'est qu'en fait, au niveau des sauts, Trouver le timing sur un Ryu, c'est quand même plus chaud, quand même, hein. Comment dire? Que sur un Hugo ou. Enfin, peut-être pas Hugo, mais. Si tous les persos un peu qui n'ont pas trop d'entière rapide. Il y en a pas mal mais je les oublie là. Bah, genre sur Rose. Sur Rose tu peux le faire. Sur. Sur qui d'autre? Sur Dan, sur. Non mais en fait c'est quand tu fais ton jeu de boule en fait c'est pas sur ton les problème. Chopper tu peux le Le problème faire. c'est que quand tu fais ton jeu de boule c'est un peu chiant pour avancer tu vois. Oui. Parce que ça c'est absolument pas safe. C'est pas safe mais. Surtout que généralement je fais la petite boule tu vois pour que j'aime. Vas-y essaye de passer au travers. Ouais là t'as le temps de me choper hein, quand t'es à mi-distance. Quand même. Ouais,
Là c'est moi qui suis pas safe. Décalage, décalage TP. Oh. T'as le réflexe du gros point, du bas gros point, mais. Que faudrait will kick, faut que tu fasses un choix quoi. Après c'est être sûr justement de si le bagou point passe, c'est pas sûr. Pas si moi mon bagou point passe. Après sinon à un moment j'ai vu t'avais un réflexe de faire une puni enfin une punition au, au comment dire au IXTT, IX Tornado Slow mais c'est pas la punition max après. Après ouais quand tu vois quelqu'un te sauter dessus, garde haute hein, comme toujours garde haute de toute façon. Quand quelqu'un te saute dessus, déjà tu fais la garde haute et après tu vois ce qui se passe. Hein. Ça lag un peu mais. Voilà. Ah les gardes cross-up, ouais ouais mais le problème ouais. Après en entière, hésite pas quand je te saute dessus comme ça. Quand je te saute dessus comme ça en plein combat, ouais c'est ça. Voilà ça. Ça c'est ouais. C'est un petit entière mais ça t'évite de te faire attaquer quoi. Essaye avec, en mettant des pieds. Ouais j'essaye. Ouais là c'est bon ça casse. Là ça fait double touche, tu l'as fait un petit peu trop tard mais... Ah bah d'accord, là, là c'était sûr que tu le loupes pas. Ah, ah c'est hallucinant comme ça lag. Je sais pas si c'est vraiment. Ça c'est tout le temps cross up, il faut que tu le saches hein. Ce saut, tu vois un Ryu te faire ce saut, tu fais garde arrière en l'air. Garde arrière debout et c'est cross up. Voilà, là c'est bien. C'est bien. Dès que tu me vois me baisser, ouais, tu mets la garde basse. Hein. Enfin, si je reste pas debout, garde basse ensuite. Par contre, si je fais. Je peux faire ça aussi, hein. Ouais, y a ça aussi, c'est la gratuité du truc. Là, j'ai conquis, je sais pas quoi d'ailleurs. Ah oui, je vais te montrer le saut petit pied. Allez, essaye de garder simplement. T'as vu là, c'est cross-up. Par contre, après, ça fait pas combo. Hein. Si t'as pas tapé, ça fait pas combo après. Hein. Ah là, ça fait combo. Ça, c'est peut-être sorti en counter, j'ai pas regardé. Essaye de taper dedans, tu. Enfin, de taper dans le premier truc quand je saute. Ah ouais, attends. Parce que si tu tapes sur le. Non, mais vaut mieux pas taper parce que c'est dangereux de taper en fait. Vaut mieux se mettre en garde, ouais. Mais si tu tapes, c'est pour te montrer l'utilité du coup en fait. L'utilité du coup quand le mec il croit qu'il peut frapper dedans ou foutre un Shoryu. Il ne peut pas, même en étant Ryu, et que c'est bien timé. Essaye de placer un gros coup, t'sais.
Non, attends, faut que je vais faire un garde. Non, attends. Non mais essaye juste de taper dans le... C'est pour que je te montre un truc. Parce que je peux pas te mettre en counter hit hein, ton bonhomme donc... Ah tu veux que je tape en même temps? Ouais. Regarde... Ah merde. Ça a pas fait 3 hits. Ah putain. Avec le lag. T'as vu là j'ai fait 2 counter hits. Ah putain. Voilà, 3 hits là, t'as vu? Parce qu'il faut que je tape, il faut que je tape sur la fin. De 8 là, attends. On va essayer vu que t'as pas vu. Mais il faut que tu tapes. Ah, j'ai fait un truc. Putain, c'est chaud quand même. Voilà, y a ça, mais c'est vrai qu'il faut mieux garder. Hein. Quand tu vois un Ryu te faire ça, faut mieux garder quand même. Hein. Après, il peut te faire des trucs de pute, il peut faire cross-up quand même. Hein. Mon meilleur combo. Sinon, cette semaine, je m'étais entraîné à un combo. Attends, vas-y. C'était ça, mais... Ah, je l'ai placé les deux hits, là. Ah, là, j'ai placé aucun hit, là. Putain. Ah, 3 hits. Bon, je l'ai réussi une fois sur 10, mais... Ça veut dire qu'on peut me bourrer toute la vie dedans, mais... Enfin, peut-être pas toute la vie, parce qu'il n'y a pas non plus 10 frames. Mais tu peux te mettre en garde, quoi. Ouais, c'est trop chaud de faire un combo après ce petit pied. Mais l'avantage, c'est que l'autre, il peut pas non plus placer grand-chose derrière. Essaye de placer, tiens... EX Tornado Slow après mon saut petit pied, d'accord? Ouais. Je veux voir un truc. Mais faut que tu me... faut que tu quand même faut que tu te mettes en garde hein. Je pense dans le truc. Ouais. J'ai raté mon saut donc ça fait une belle punition, ça chope loin. Non juste... non. En fait, il faut que tu te mettes en garde sur le saut petit pied et que direct après tu me fasses Tornado Slow. C'est pas évident ce que tu me demandes. Ouais, ouais, mais c'est pour voir, pour tester un truc. Vas-y. Ah, désolé. Parce qu'il m'a pris. Vas-y, mais ça demande juste un timing de fou. Ouais, ouais, je pense que c'est même pas possible. Ouais. Enfin, ça me paraît compliqué. Donc, ouais, le saut petit pied est quand même pas mal. On en convient. Et donc, ça fait frame trap parce que du coup. Waouh! Dans le startup du saut, quoi. Enfin, dans le début du saut. Vas-y, chat! Putain, ça chope même le Tatsumaki. Ah, c'est un bon anti-air hein, ton EX. Ah, mais. Enfin, voilà. Voilà mon nouveau coup du moment. Je pense qu'il fait un peu chier ce coup, hein, non? Un peu, ouais. Parce qu'en plus, maintenant, j'ai aussi le saut medium kick. Ah oui, les gardes cross-up, Kevin. Faut que tu le voyes venir dès que tu sens qu'il te passe au-dessus. Que... Regarde le saut.
Regarde juste le saut de Ryu, quelle trajectoire il fait. Ça fait une sorte de parabole. Ouais. Dès que tu vois que cette parabole elle est susceptible, enfin elle va te passer derrière. Ouais, direct, garde là, non, par contre. Tu vois, ça va pas passer derrière non plus. Par contre là. Ah non, là t'as reculé, donc forcément. Là oui, ça passe derrière, là non. Là oui. T'as vu, je le dis même avant parce que je sais. Non, non. Non. Ah oui, t'avais bien gardé le premier coup. Là, quand je suis aussi près, ça fait trop ça. Hein. Ouais, tu peux aussi reculer quand je te saute comme ça. Mais bon, ça c'est vraiment quand à tes relevés. Parce que sinon, si c'est pas à tes relevés, tu me fais bas medium kick. On n'entend plus parler. L'entière de la vie de ton perso. Voilà. Là c'est l'entière de base, on va dire. Et essaye pas de faire des trucs stylés pour l'instant avec le EX Skyfall. Ok. Ouais, mais j'ai pas tout à fait la manip en main donc. En plus. Donc bas medium kick, là par contre t'as la manip, hein, pas de soucis. Tu voulais tester d'autres choses en training? Pas vraiment, après c'est du. En fait, on pourra faire ça plus tard, mais c'est. Après ouais, en combat je te dis ne saute pas trop. Fais comme t'avais fait il y a 2 semaines. Les sauts medium kick, vraiment c'est à la relevée des mecs. Ou sur les persos à charge qui ont pas de dragon, tu peux te le permettre, hein, ça leur inverse la charge, ça les fait bien chier. Les cross up. Ah là j'ai foiré complètement mon timing. Et aussi tu peux aussi pour éviter justement les formes d'embrouille, genre une fois sur deux ou une fois sur trois, tu places un délai standing et puis ça va niquer le timing du mec quoi. En appuyant sur deux touches. Voilà, là t'en as fait un. Là t'en as pas fait un. Donc voilà, faut varier, tu varies les trucs comme ça le mec il va peut-être pas forcément voir les timings. Sinon, voilà. On en a fini avec le training. Ouais. En tout cas, les shops, oui, il y a un truc. Je sais pas si c'était déjà il y a 2 semaines. Mais je trouve que du coup, les tornados slow, tu les places beaucoup plus quand tu veux, quoi. Alors qu'avant, tu les plaçais dans le vent ou tu te trompais de manip, enfin. Et sinon ouais, les barres de EX, pense bien, EX Will Kick, EX Tornado Slow, c'est utile quoi. C'est quand même bien utile en combat. Ouais. Bah groupe en Will Kick. On est pas assez vu là, ce genre. Ah. Voilà. Faut vraiment que ça devienne... Ça c'est bien aussi. Ça c'est bien aussi. Ah là il y avait ultra putain. Tellement violent. La manif qui fail. Oui. C'est des bonnes manifs pourtant. GG. Ouais, donc on va quitter le training avant de se quitter tout court. Oublie pas, ah oui. Alors là, on va en venir à la phase des comment dire, des tâches à effectuer pendant les 2 semaines où vous ne verrez pas. Ben tout simplement, je pense pour nous, c'est de jouer online pour rencontrer des personnes et surtout rencontrer des persos différents. Noter ce qui va pas. Utiliser le canal replay là comme je te parlais cet après-midi.
Si jamais on comprend vraiment rien, pour vraiment remater le match à tête reposée et voir ce qui allait pas. Et éventuellement, si on comprend toujours pas, tester en entraînement avec le perso qu'on comprend pas pour voir si c'est punissable et tout. Ou au pire, tu me demandes hein, si t'as un souci, Kira. Ouais. Pas de souci. Du coup, c'est des tâches communes à faire. Également, on va toujours regarder un peu du street hein, pour voir un peu comment les tops s'en sortent, suivre un peu la scène et tout. Et oui, et là, je peux quasi le dire. C'est quasi officiel, on va dire. Il y aura une borne Ultra Street Fighter 4 au Players Bar. Je pense que maintenant c'est un secret de Polichinelle, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr. Secret si bien gardé. De quoi? Un secret si bien gardé. Voilà, parce que ce samedi 30 août 2014, il y aura Monsieur Karaté au Players Bar. Monsieur Karaté au Players Bar, vous avez bien entendu, le maître du guac, l'inventeur du guac, sera à Rion pour à l'occasion de l'inauguration des nouvelles bornes de la salle d'arcade. Donc n'hésitez pas à venir hein, si vous le pouvez. C'est facilement accessible en train, notamment de Paris, Nevers, Tours également, il me semble. Non, pas Tours, j'ai oublié le patelin, Moulins, voilà, et tout ça. Clermont-Ferrand, évidemment. Donc n'hésitez pas à venir, ça va être cool franchement. Nous on va sûrement squatter la borne Street 4 pas mal avec Kira, n'est-ce pas? Qui a de la place. Et la borne Guilty également. S'il y en a une, parce que c'est pas encore sûr. C'était serré vu qu'il y avait un vote hein, sur la page de l'événement. Mais voilà, c'est vrai que là ça va être l'occasion également pour nous justement, quand tu seras revenu à Clermont, bah justement ce week-end, ça va être de doser au Players Bar. Sur la borne ultra contre des joueurs plus expérimentés, parce qu'il y en a pas mal quand même aux players. Donc ça va être cool je pense pour nous. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on pourra faire des matchs plus intéressants plus souvent. Ouais, et puis on aura la personne en face avec qui on pourra échanger et s'échanger des trucs. Donc ça va faire une sorte d'émission. Il y aura trop la frustration du live où tu rencontres le mec une fois, tu sais que tu peux le battre au bout d'un certain nombre d'essais, mais tu peux pas vraiment. Ouais. Ça passe, ça pourrait passer, mais tout du moins t'as envie de rencontrer le match-up, rencontrer la personne, mais tu peux pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est beaucoup mieux en situation réelle. D'ailleurs, c'est comme ça que la scène française, eh ben, elle est beaucoup centrée sur Paris, parce que t'as tous les top players qui sont là-bas et ils échangent entre eux, donc forcément ils progressent encore mieux, quoi. Et au Japon, c'est vraiment dans tout le pays. Par contre, où ils échangent entre eux, ils ont vraiment ce mental. Donc voilà, si au Players Bar ça s'installe, ça, s'il y a des joueurs d'Ultra qui viennent, ça va être vraiment cool. Voilà, et donc en autre tâche, voilà, lire d'autres articles de Hit Combo pour faire évoluer encore un petit peu plus notre jeu, tout en s'entraînant également sur les combos pour ne pas perdre l'exé et tout, et même en gagner. Et voilà, toujours regarder un peu de vidéos, quelques streams par-ci par-là, de temps en temps. Ouais. Et je pense que ça sera pas mal déjà si on fait quelques trucs de tout ça. Je pense qu'on arrivera encore plus fort dans 2 semaines. Et notamment toi, Kira, tu as quelque chose à prouver là. Après ces 2 défaites 3-0, au moins montrer des trucs que t'as appris en entraînement, les mettre en pratique en match. Et là, ce sera vraiment cool, je pense. Est-ce que c'est ton objectif? Est-ce que tu en as d'autres? Bon, déjà, ce que je peux penser, c'est essayer d'un peu mieux jouer. Niveau de... Enfin, je sais pas trop comment faire, mais on verra. Au niveau des objectifs, je sais pas. Arriver à faire des meilleurs matchs, battre plus de fois, déjà. Ouais. Je pense que c'est jouable, hein, parce que le match-up Abel Ryu, y a quand même pas mal de secteurs où. Ou moi perso en ce moment je suis paumé, donc tu peux me rattraper, ça peut faire des matchs serrés. Hein. Il y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, la garde, ah oui, pour toi c'est la garde à travailler, donc pas mal jouer plus en online quoi. Quitte à faire, tu fais des combats infinis quand t'auras retrouvé, quand on aura une connexion pas mal. De quoi? J'en ai une correcte à jour. Ouais, mais ça devrait venir quand même. Ah, clairement, ça devrait aller.
Enfin voilà, si tu peux, voilà, sinon comme ça, sinon au Players Bar, on dosera. Si jamais la borne ultra est officialisée, parce que je mets un si quand même au cas où, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, mais là ça semble bien embarqué, honnêtement. Donc voilà. Bon, ça fait déjà un moment là qu'on fait cette vidéo, donc on va se quitter là-dessus, je pense, sauf si tu as quelque chose à rajouter, Kira. Non, c'est bon. Ok, bon bah merci à vous d'avoir regardé De Noob Pas Ultra et rendez-vous dans 2 semaines pour le troisième épisode, toujours en compagnie de Kira103. Merci encore à toi Kira de bien participer à cette émission et à la prochaine pour d'Ultra Street Fighter 4. Ciao Kira. Ciao, ciao.